Oui, quand on parle de digital, on parle souvent de mobilité, d'accessibilité de son compte par plusieurs canaux, Internet, le mobile, etc. Ou alors de stratégie de réseaux sociaux. Or, le digital, c'est beaucoup plus. C'est tout ce qu'on peut faire en digitalisant. Et c'est tout ce que l'on peut faire avec le temps réel. Et donc, par exemple, sur le compte Nickel, les apports du digital sont beaucoup plus sur le core banking system avec le temps réel et la validation des opérations a priori plutôt que a posteriori et sur la sécurité et l'ouverture de compte. Par exemple, quand vous scannez votre document d'identité dans la borne Nickel, c'est pas une photocopie. Si c'est un passeport, on lit la puce par Wi-Fi et donc c'est valide à 100%, c'est le passeport biométrique. Si c'est une pièce d'identité, on recalcule l'algorithme, on vérifie la taille des caractères, on vérifie la cohérence entre le haut et le bas. Et puis, on croise avec les listes WorldCheck. Tout ça de manière digitale, de manière électronique. Et ensuite, le digital permet d'extraire l'ensemble des données et de les replacer dans le dossier client et de constituer de manière électronique le dossier client. Mais l'apport principal pour moi, c'est avoir le core banking system en temps réel, les opérations de débit et de crédit en temps réel. Ça veut dire que quand un client paye chez un commerçant ou paye sur un site internet, comme nous, on doit vérifier s'il y a l'argent sur le compte, s'il y a l'argent, on paye, s'il n'y a pas l'argent, on ne paye pas, puisque c'est un compte qui est bloqué, hein. Eh bien, on a le code du commerçant avant. Donc je sais, avant d'autoriser le paiement, si c'est un achat Internet, si c'est un achat de commerce en dur, si c'est un achat de tel pays, je sais si c'est du Brésil ou du Vietnam, et ça va me permettre de proposer au client, à terme, de paramétrer sur son site Internet les dépenses qu'il veut faire, les dépenses qu'il ne veut pas faire, et donc de lutter contre la fraude. Alors déjà, s'il y a un débit de 3 000 euros, s'il y a 200 euros sur le compte, ça ne passe pas. Mais en plus, si on a décidé qu'on ne faisait pas de paiement Internet ou pas de paiement en Brésil, ben ça ne passera pas. Et puis dans nos logiciels d'analyse comportementale, qui permettent d'avoir un profiling permanent, dynamique du client, eh bien, il y a des comportements qu'on considère comme habituels pour ce client-là, et puis il y a des comportements qui sont exceptionnels. Et un comportement exceptionnel, pour nous, c'est suspect, et ça génère une alerte. Si par exemple, vous habitez à Sarcelles et que vous dépensez votre salaire et que vous avez votre vie quotidienne, etc., et tout d'un coup, on voit une dépense, pas forcément au Vietnam ou en Allemagne, et on dit, tiens, ben, il n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'il y est. Et donc, on veut pouvoir générer une alerte, demander par texto, est-ce que c'est vous qui êtes en Allemagne? Et donc, on va pouvoir beaucoup plus monitorer le risque, monitorer la fraude grâce au temps réel. Et donc, après, ça va permettre au client, sur son propre site internet, de paramétrer et d'avoir en temps réel ses allocations de dépenses, ses types de dépenses de manière très précise, à la seconde de valeur, pas le lendemain en disant vous avez dépensé avant-hier telle somme. Si vous avez pensé aujourd'hui à 11h37, telle somme dans tel magasin, voilà l'adresse. Et donc, c'est le digital. C'est pour nous une valeur qui est colossale et qui va bien au-delà des réseaux sociaux ou de la mobilité. Même si c'est très important la mobilité et les réseaux sociaux.